France Inter. Patrick Cohen. Le 7-9. Les grands mots à nouveau dans vos journaux à propos d'une réforme éducative dont personne n'avait anticipé l'importance. Cécile Cornudet le raconte dans Les Échos, c'était pour le gouvernement de la mécanique ministérielle et pas un objet politique, jusqu'à l'entrée en piste de Nicolas Sarkozy et au choix de l'exécutif d'en faire un temps fort du quinquennat. Alors les grands mots partout ce matin, y compris chez les partisans de la réforme qui donnent de la voix. Voyez la publicitaire Mercedes Era dans Libération. Je suis sidéré du niveau de désinformation sur une réforme pourtant courageuse dans ses intentions comme dans ses principes, ou encore l'historien de l'éducation Antoine Pro dans Le Monde sur le thème « Ça recommence », un demi-siècle que les défenseurs du latin, du grec et des traditions font capoter toutes les réformes en soutenant que le remède serait pire que le mal. Marre de la nostalgie élitiste et de cette intelligentsia qui veut revenir à l'école des années 50. À part cela, un souvenir des années 60. Just because we get around. Talking about my generation. Things they do look awful. Talking cold. About my generation. I hope I die before I get old. Vous avez reconnu My Generation par The Who, chanson que Pete Townshend a écrite le jour de ses 20 ans, c'est-à-dire il y a exactement un demi-siècle, le 19 mai 65, puisque Townshend fête ses 70 ans aujourd'hui.